je vous montre dans l'idée. L'idée, c'est ça, les gens. Ne vous battez pas, c'est stupide. Son crâne est en appui sur ma tête, il y a une érogation des cervicales maintenant, j'ai pas de main. C'est-à-dire, si je trébuche, là, je pète les cervicales. C'est ni son intérêt, ni mien. Ok ? C'est pas l'étranglement qui connaît, hein, c'est la douleur dans les cervicales. Voilà. Pourquoi ? Parce que quand je descends comme ceci, l'arrière de son crâne, il est appuyé sur ma tête et son corps il part dans ce sens-là. Donc il y a une élongation comme ceci. Les cervicales vers l'avant. Et normalement, effectivement, on va briser les cervicales. La personne, effectivement, elle est neutralisée. Donc, pour l'instant, on va travailler sur place. Dès qu'il y a le cartilage ici, c'est moi qui tourne la tête. Pour proposer les parties molles. Deuxième principe des informatiques, on se pose sur les parties molles. Au sol, mais là aussi. Okay. Son action, elle est perpendiculaire à mon cartilage. Je vais prendre le plus petit angle avec son avant-bras. Ça aussi. Premier principe des informatiques. Okay. Pour agir sur lui, je vais utiliser une saisie franche. Pour ça, il faut que mon corps soit très solidaire à moi. Donc au lieu d'écarter ça, je vais le serrer contre moi, ici. Parce que c'est avec ça que je vais l'amener au sol. En plus, lui, quelque part, ça le perturbe, parce qu'il va s'attendre à ce que j'essaye d'écarter son bras, mais pas à ce que je l'appuie encore plus. Okay. À partir de là, je vais opérer une paire de forces. Principe des déséquilibres et l'amener dans son triangle des déséquilibres arrière. Ici, ici, ici. Encore une fois, ce qui va vous sauver, c'est la précision. C'est pas la force, c'est pas la rapidité, c'est pas la bagarre. Ici, mes prendre, je vais avec lui. Je suis pas forcé, je me suis laissé tomber. Et quand j'ai tourné ici, et lui il en marche arrière et moi en marche avant. Même s'il continuait à reculer, je vais beaucoup plus vite moi en marche avant que lui en marche arrière. Donc même si ça n'a pas fonctionné tout de suite, ça va fonctionner dans les deux pas qui suivent. Ça marche? Donc, encore une fois, on ne se bagarre pas. Je tourne la tête ici, je vois pour toi. Je vais y arriver. Genou. Immobilisation, là. Le pied près de la tête, mon genou sur son centre de gravité, hein, c'est en face du sternum. Et ici, le bras 90 degrés, le poignet 90 degrés. Ok. Ça marche? On y va?